Ça va? Vous allez bien? Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Si, je vais avoir besoin de mes stylos. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la case numéro 19 de, j'allais dire, la petite fille et son chien, vachement tiens. Le défi 50 cases d'Alex et Vanessa. Je sais que c'est la case 41, si je ne me trompe pas, qui a été tirée. Je vais aller vérifier ou pas. Est-ce que je peux vérifier? Allez, donne-moi ce que je veux. Ah, vas-y, vas-y. Non, mais je suis en train de trifouiller le téléphone en même temps que je suis en ligne avec vous. C'est sympa. Toc, 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 toc. 41, c'est bien ça. Hop. Et on est bon. Alors, la dernière fois, on a fait la case numéro 2, qui est ici, que je n'ai pas coloriée. Voilà pourquoi j'ai sorti mon feutre. Ah, faut que j'ai fermé ma porte. Et on va chercher la 41. Alors, oh! Elle est juste en dessous. Alors, j'ai juste à aller fermer la porte de chez. J'installe la toile et j'arrive. Voilà. Donc, voilà la case. Et je viens de m'apercevoir que ma petite aiguillasse, elle a disparu. Oh, je vous raconte pas, quand j'ai quitté ma table de base pour la ranger, je vais retrouver un nombre incalculable d'aiguilles. Allez, on va en prendre une autre, c'est pas grave. Donc, on va commencer par resserrer peut-être mes vis au niveau de la toile, parce que je l'ai pas bougé du tout depuis la dernière fois, mais je la trouve pas tendue, tendue, quoi. Ouais, c'est pas terrible, mais bon, ça fera l'affaire. Alors, il fait chaud, on va ouvrir la fenêtre. Je vais vous raconter pourquoi j'ai tout plein chaud, tout ça. En plus, il fait pas froid dehors, c'est vrai. Hop! Oh, bah non! Si j'ouvre, c'est pas pour vous aboyer, bande de vilains waf. Ah, mais en fait, il y a un démarcheur qui est dans la rue en train de passer. Non, c'est les points, ça. Nous allons regarder, je sais plus dans quel sens j'allais. Normalement, c'est le point qui va en biais là. Donc, c'est un gros point bleu. Si je ne m'abuse. C'est pas un gros point, c'est un triangle. Mais c'est ça. C'est le triangle bleu qui nous fait le noir. Alors, on est lundi, la case a été tirée hier. Bon bah voilà, hein, hier j'ai pas eu le temps de toucher, de regarder ma case. Donc je me suis dit que comme ce matin c'était ma petite matinée, ce serait plus simple de, comment on dit, de m'occuper de ma case. Donc voilà, ça c'est fait. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc, je suis sortie du boulot, j'ai couru. Bon, la boulangerie, c'était pas obligatoire. Enfin, c'était chéri. Bah, vu que tu seras dans le coup, tu passeras à la boulangerie. Oui. J'ai acheté des tartelettes à la framboise, cookies gourmands. Pour les filles, je leur ai pris pour le goûter une baguette viennoise aux pépites de chocolat. Et j'ai pris deux baguettes aux céréales. Voilà, comme ça, vous savez tout. J'adore les baguettes aux céréales. Moi, c'est mon péché mignon. Je mange pas forcément beaucoup de pain. Je suis pas une énorme mangeuse de pain. Enfin, je mange pas beaucoup. Et puis, mais bon, de temps en temps, une bonne baguette, voilà. Et j'ai oublié de faire mes points là. Et ouais, il fait chaud. Et donc, je suis passée à l'Euro Merlin parce que, imaginez le truc. Hier, on était de sortie après-midi. Enfin, hier midi. Ah, j'ai retrouvé mon aiguille. Elle était sur le fil. Je vais pouvoir ranger celle-ci. Ouf! L'honneur est sauf, l'aiguille est retrouvée. Donc, hier, on était invité chez la petite cousine de chérie, donc avec qui on s'entend très bien. D'ailleurs, elle vient à la maison dimanche pour l'anniversaire de Chouquette d'amour. Et donc, on rentre le soir. J'arrive pour aller aux toilettes. Là, je rage parce que
Il y en a une qui a été avant de partir et qui n'a pas tiré la chasse d'eau. Alors, je vous laisse imaginer ce qu'il y avait dans les toilettes, mais colère. Donc, avant même d'envisager quoi que ce soit, je tire la chasse d'eau. Et là, toilette bouchée. Tout est remonté. Enfin, tout est remonté. La cuvette pleine qui se vidait pas. Je vous raconte pas l'horreur. On a mis un déboucheur, vous savez, les trucs de base là, qu'on achète en supermarché. Mais voilà, ouais, ça a baissé quoi, deux fois ça, en gros, on va dire 10 cm à peine. Et qu'est-ce qu'on va faire comme couleur en fait? Là, je suis en train d'essayer de voir, on a des petits trucs là, on va faire ça d'abord. J'aime bien faire des confettis de cette toile avec vous. Après, il me reste le plus rébarbatif, mais c'est pas grave. Donc, Serge, à moi tout à l'heure, je suis allée acheter ce qu'il fallait pour déboucher. Parce que bon, ça a descendu un petit peu encore dans la nuit, mais c'était encore bouché. J'ai dit, comme ça peut arriver régulièrement que les toilettes ne s'évacuent pas forcément bien. Il faut tirer plusieurs fois la chasse d'eau pour que le niveau d'eau redescende. Enfin voilà, les toilettes, c'est super glamour. Hein. Donc, là, j'ai pris du déboucheur industriel parce que c'est bien. Et en fait, on ne l'a pas utilisé. Un furet parce qu'on n'en avait pas. Et surtout, l'essentiel, une ventouse parce que, bah, croyez-moi ou non, on n'avait pas de ventouse pour les toilettes. Et donc chérie, je lui ai dit, moi, je vais acheter le matos, toi, tu regardes les tutos. Moi, je fais pas les toilettes, c'est pas mon truc. Hein. Donc, il a regardé les tutos, je suis arrivée, il a pris la ventouse, il dit, on va commencer dans l'ordre de qui disent, hein, parce que moi, j'ai tout regardé. Bah, vas-y, fais-toi plaisir, je t'ai acheté des jouets maintenant, à toi de les utiliser. Hein. Un coup de ventouse, plus rien. Toilette débouchée. Alléluia. Bon, je vous raconte pas le nettoyage des toilettes derrière. Mais... boulette. Si je fais pas mes demi-croix... Oui, je sais, je tire mon fil. Mais c'est pour ça que je fais les confettis d'abord. Comme ça, après, bah, ce sera tout recouvert et ça se verra pas. La la la. Donc... Donc voilà, c'est un peu folklore hier. Je suis très soulagée, je suis très contente. Bon, j'ai eu l'impression de courir partout. Oh, j'ai perdu une petite demi-heure dans l'histoire, c'était pas long. J'ai trouvé tout ce que je voulais, machin. Bon, j'avais fait un petit repérage hier soir déjà. Ah non, là, ça fait long pour tirer le fil. Sur internet, donc j'avais été visiter le site de Le Romain. Là, on avait fait un repérage. Bon, il n'y avait pas forcément exactement ce que j'ai vu sur le site, mais... En gros, je savais ce que je recherchais. Donc, ça a été très vite. Plus long, finalement, c'est le temps que j'ai passé à la boulangerie. Temps d'être servi. Et voilà, je suis contente. Là, je suis organisée au niveau vidéo. J'ai ce qu'il faut jusqu'à la fin de la semaine. C'est fait. Celle-ci, je vous la mettrai mardi de la semaine prochaine. Lundi, vous aurez le vlog qui est déjà, j'ai déjà deux morceaux de tournée. J'en tourne un ce soir, un mercredi, un vendredi. Je fais le montage, je bascule tout. Il faut que tout soit prêt pour une semaine et demie minimum, samedi au plus tard. Parce que après, bah, mes parents arrivent dimanche. Et bah, je vous ai dit, ils sont pas au courant pour la chaîne. Tout ça, j'ai pas envie d'en parler avec eux. Ils diraient rien. Et puis je pense qu'ils se doutent. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que pour eux, influenceurs, tout ça. Ah, t'es pas bien, t'es caca, ben. Je vous laisse imaginer. Hein. Ça, c'est la version soft. Vraiment, c'est la version forte. Donc bon, voilà, j'ai pas envie de rentrer dans des polémiques avec mes parents que j'adore. Donc bah ça reste mon jardin secret à moi. Donc je vais faire en sorte que mon jardin soit bien cultivé, bien arrosé, irrigué et que les plantes elles poussent toutes seules pendant une semaine. Bon, je répondrai aux commentaires, tout ça. Ça se voit pas.
Mais voilà, vous voyez un peu ce que je veux vous dire. Enfin, c'est bête, hein, mais c'est nécessaire. J'ai besoin. Hop. Tac. De garder mon petit jardin secret. Donc, mais là, je suis pas mal. Donc, celle-là, vous l'aurez mardi. Pour lundi, ben, on a le vlog qui est en cours de tournage. Mercredi, vous aurez la dernière partie de l'unboxing Funcell. Donc demain, vous allez voir. Oh, mon bébé. Il est trop beau, le bébé. Voilà. Je me contenterai de ça, je ne vous dirai pas plus. Je vous garde un petit peu de suspense. Bon, pour vous, ce sera demain, ça va. Après, j'ai des vidéos encore à monter que je vais pouvoir vous mettre pour la fin de semaine. On voit. J'en ai au moins une que j'ai montée hier, sûre que je pourrais vous mettre. Je vais regarder. Parce que bon, j'ai encore de la vidéo. J'ai encore du temps aussi pour filmer cette semaine. Donc c'est bon. On va y arriver. Donc. Oui. Je suis en train de me dire, mince, mes trompettes de couleur. Non, non, je n'ai pas de trompettes de couleur. Là, je vais faire les traits verts. Donc, tiens, traits verts, c'est ça. C'est une sorte de beige. Bon, écoutez. Hein, on va les suivre. De toute façon, c'est les reflets dans les cheveux. Donc, c'est pas. Avoir du vert, du violet. Ah bah fou, de toute façon j'en ai déjà là du vert. Donc non, c'est pas choquant en soi. Bougez pas. J'adore quand même parce que je vous mets en pause pour me moucher. Je vous dis bougez pas en sachant que de toute façon vous n'allez pas bouger. Puisque je vous retrouve quelques secondes plus tard. Mon Dieu, qu'est-ce que je réfléchis des fois, c'est fou. Mais bon, par respect pour vous, je ne me laisse pas en vidéo. Et puis parce que je trouve pas. Bon, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus sexe. Hein. On va pas se le cacher, le mouchage ne fait pas partie des choses qui rendent les femmes ou les hommes les plus sexy du monde. Ah, il y a peut-être des fétichistes du mouchoir dans la salle, non, je ne sais pas. Non, là-bas. Il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau. Floraison et tout va. Que voulez-vous? Ah, mais je suis tellement contente que mes toilettes soient débouchées. Vous savez même pas. Enfin, si, enfin, je pense que vous vous doutez. Quand tout va bien, c'est cool. Quand il y a un petit truc qui va pas, là, c'est chiant. Je vais essayer. Il est quelle heure? Midi, 10h14, pas midi 14. Oh, il y a moyen que je tourne deux vidéos ce matin, peut-être. On va voir. Parce qu'après, bah, je reprends de bonne heure. Hein. Enfin, de bonne heure, je reprends 13h35. Touche d'attaque. À retrouver mes petits quatrièmes bien-aimés. C'est ironique. Hein. Ouais, je les aime bien quand même, mais chut, faut pas leur dire. Hein. Là, j'ai chaud. Bon, ça va être une case bah, qui ira quand même assez vite à faire. Bon, il y a quelques points. Alors, je peux pas dire qu'il y ait du confetti cette fois-ci parce qu'il n'y a pas. Bah, il y avait un point isolé là. Ça, c'est cool. Il y a des points. Ah, si, c'est ça. C'est les petits chapeaux là. À l'envers. Enfin, c'est des petits V en fait. Moi, j'ai chapeau, mais parce que j'ai pas l'envers. Non, c'est des petits V. Donc, je pense qu'après, on fera les petits V. Et puis ensuite on verra puisqu'on a les gros points bleus, les petits triangles orange, bleu. Ça va être au feeling. Bon après c'est vrai que vous voyez juste à chaque fois le début de la case, vous la voyez pas forcément beaucoup avancer.
Bon, après, c'est comme ça, hein. Hop. Petit pigeon qui recoule. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon lundi. Je vais prendre un peu de café, sinon j'ai oublié mon café. Pardon. Je fais du bruit en buvant, c'est pas terrible. Hein. Donc, que vous avez passé un bon lundi. Moi, je serai plein rush. Tout va bien. Ah, et puis je bois. Mince. Là, j'ai fait tomber l'aiguille par terre. Problème, c'est où? Je ne vois pas. Elle est tombée à la base sur mon pied. Elle est pas prise en chaussons. J'ai plus l'aiguille sur le fil. Ah, la boulette, je vous jure. Je vais la retrouver l'aiguille. Hein. Je crois qu'elle est maudite cette aiguille. Non, je ne la vois point. Elle n'est pas non plus dans ma route. Bon bah, j'ai fait quoi? On va reprendre l'autre. Moi, qu'est-ce qu'on a en dessous? Non. Bah, je sais pas. Vous pensez que ça veut dire qu'il vaudrait mieux que j'évite de filmer, enfin de broder tout court? Dois-je y voir un signe du destin? Non. Du tout. Alors, on m'a dit qu'on allait faire les petits chapeaux. Faut juste que je trouve, ils sont sur celui-là, les petits chapeaux, on fait ça. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, je suis contente. Hier soir, j'ai avancé, j'ai repris ma... Comment ça s'appelle? La tête d'oreiller. Que je fais pour ma choupette d'amour, que j'ai intégrée aux saletés d'oreiller. Je peux même en avancer sur le groupe. Pas pour ça, mais pour notre truc. Bon, je ferai. Tac. On va commencer par là. Je me fais de l'ombre. Voilà. Donc, j'ai avancé du coup la tête d'oreiller pour le sale. Et surtout pour ma poupette. Mon objectif là, ça va être de l'avancer au max. Donc, ce soir, je veux finir pendant le bain ma petite zone qui me reste à faire sur le sale. Gourmandise pour avoir fait ce que je souhaitais faire. Donc ça, ce sera fait. Et ensuite, pour tout le reste de la semaine, ce sera la tête d'oreiller. Hop là. En sachant que je l'ai déjà bien avancée. Enfin, que je vais déjà bien l'avancer, puisque ça va être ma toile soirée matin. Ouais, j'ai des toiles qui ont des attributions comme ça. Posez des questions sur ça. Alors, on est là. On est là. Et on a dit qu'on se posait des questions sur les traits. Ouais, si c'est bien un trait. De toute façon, j'en ai un autre là. J'ai bien fait de fermer la porte. Alors je dis à chérie que c'est pour pas l'embêter pendant que je filme. En vrai, c'est pas du tout vrai. C'est pour pas que lui il m'embête pendant que je filme. Parce que j'ai peur que vous l'entendiez. Bon, là, je sais que la porte est enfermée, vous n'entendez pas. Mais chérie a toujours été ainsi. Quand il est au téléphone,
Je pense qu'inconsciemment, il doit avoir peur que les gens n'entendent pas, hein, je sais pas. Quelqu'un a pu, toi. Mais vraiment, c'est fou. Ah là là. Ouais, je vous raconte ma vie aujourd'hui. Mais je suis fatiguée parce que le week-end a été fatigant, mais ça va. Je suis fatiguée en forme. Je sais pas comment vous décrire ça. Le moral est là. Je pense que c'est ça. C'est tout se joue là-dessus. Et que bah, je pense que aussi je suis très très soulagée par rapport à mon petit problème d'évacuation qui est réglé. Donc ça c'est génial, c'est fait. Ah, je suis trop contente. Vous savez pas vous. C'est tout bête, hein, mais ça peut vous pourrir la vie, les toilettes. Ah, bah, j'ai oublié de faire ça. Je vais refaire après. De toute façon, j'ai vu qu'il m'en reste un petit verre là. Donc, bah, je m'étais dit, bon, je le ferai hors cam. Bah non, parce que j'ai oublié toute une zone de trait vert. Donc, on y retourne. Je finis ça avant. Hop. Et ouais, je suis contente là. J'ai commencé à refaire mon carnet d'organisation bientôt comme il faut, parce que bon, il n'était pas à jour. Donc là, je me mets à jour par rapport à ce que je veux faire, etc. Je vais programmer mon mois de juin. Et dans la foulée, je dois programmer mon mois de juillet. Parce que juillet, ça va être compliqué. Mais non, ça va le faire. Je vous mettrai des vidéos, tout ça. Raconterai. Il y a plein de trucs de prévu en fait en juillet. Puis en juillet, moi je fête mes 40 ans, vous imaginez? Je vais être vieille. Non, je rigole. Je me sens pas vieille. Clairement pas. Alors mon corps, lui, il me le dit hein, que non, mais je suis pas si jeune que ça en vrai. Hein. Non. Ce qu'il me dit surtout, c'est que j'ai eu 4 enfants et que là, faut que je me prépare à en chier dans le futur. Non, j'ai beaucoup de. Je peux avoir pas mal de douleurs par moment. Mais. L'idée. Alors, je vais essayer d'éviter les contre-jours parce que c'est pénible. Non. Tac. Peux pas mettre plus en arrière. Non. Mais par contre, je peux mettre plus de lumière. Voilà, comme ça évitera les contre-jours quand je suis en train de voilà, passer mon fil, parce que sinon bah, moi je vois rien. C'est un peu embêtant. Non, je sais plus ce que je vous disais. Mais oui, je sais que j'ai plus 20 ans. Oh, clairement. Mais c'est pas grave. Moi je suis heureuse. Et puis le reste, je m'en fous. Vous savez, bisounours, tout ça. Moi, je vois toujours la vie du bon côté. Hop, et maintenant, on va reprendre ici. Ensuite, on fera les traits bleus, puisque j'en ai pas beaucoup à faire. Mais déjà, on va faire tous ces traits verts que j'ai oubliés. Mon trait vert. Voilà. J'ai envie de faire du bon comté aussi. On verra dans la journée. Enfin, dans la journée. La fille, elle a juste oublié qu'elle bossait cet après-midi. Mais bon. On verra dans la journée. Hein. Tout va bien. Je vous jure. Je me fatigue. Mais un point. Alors, dans l'après-midi, c'est mort. Mais je sais en plus ce que j'ai envie de faire. C'est un petit duo qu'on fait avec Kiki où j'ai peu avancé. J'aimerais avancer avant le floss tube, mais j'aimerais aussi tourner mon floss tube
plus tard finaliser tout samedi. Donc, ah ben oui, il faut que je programme mon flowstup aussi pour la semaine prochaine. Faut pas que je l'oublie. Donc j'ai dit je voulais faire les traits bleus. Hop. Donc ouais. En fait, je vais avoir trop plein de vidéos. J'aurai trop de vidéos, je ne saurais pas où les mettre. Oh, vous inquiétez pas, vous allez les avoir. Hein. Mais ouais, j'ai mon flowstup aussi à tourner et à vous mettre. Bah, j'ai programmé cette vidéo mardi. Enfin, j'ai programmé. Non, je n'ai pas encore programmé dans YouTube. Bah, vous l'aurez peut-être que jeudi finalement. Je vous disais mardi au début de la vidéo. Attendez-vous à la voir jeudi puisque je vous mettrai le flowstup mardi. Puisque. Ah, samedi, on est le premier. Au moins, j'arrive à vous la faire pour samedi, mais ça va être chaud patate. Hein. On verra. Parce que faut la tourner, faut la monter. Enfin, c'est surtout faut la tourner, il faut ranger tout le bazar que j'aurais sorti. Mais en même temps, une fois rangée, mais j'aimerais la tourner, en fait, ça n'a pas envie que je laisse rendre compte de tout. Oh. Oh, il n'est pas naïf non plus. Donc ouais, faut que je fasse ça. Mais ouais, je viens de me rendre compte que samedi, on était le premier. Donc je vais peut-être décaler un peu mes vidéos pour vous mettre samedi. Oh, c'est pas grave ça. Donc on fait quoi maintenant? On va faire les gros ronds. On va faire les gros ronds bleu clair. Parce qu'en soi, j'en ai pas tant que ça. Je vais commencer, j'en ai un petit peu par là. Donc on en a par là. Non, je suis en train de réfléchir à de quel côté je vais partir. Enfin, je vais couper mon fil parce qu'après je vais faire tout cela avec ces deux là au passage. Je vais redescendre par là et remonter là. Et après c'est tout, ouais. Le côté un peu trop prévoyant de Gwen. Ouais, moi j'aime bien planifier, me projeter. Voilà. Les yeux qui piquent un peu. Et puis, il faut pas que je me frotte les yeux parce que comme je suis maquillée, je ne vous raconte pas l'état du boudin après. Hein. Ça va pas être beau à voir. Non, ça pique, enfin c'est pas les yeux fatigués, c'est le pollen qui fait ça. Bon, là il est tiède, la prochaine fois je bois il est froid. Hein. On est d'accord. Oh, ça me gêne pas, j'adore ce café là, c'est un café qui est très fort mais j'adore. Hop. Non, puis j'ai fait pas mal d'avancées sur mes toiles quand même. Je suis assez contente et le fait de faire mon flowstup me permettra en fait de ranger, éliminer, je vais pas éliminer des toiles, c'est pas ça que je veux dire, c'est je vais juste pouvoir aller les remettre, les ranger, faire de la place dans mon bureau parce que je vous raconte pas, j'ai trois panières derrière moi, plein de toiles, bon, y a des petites et des grandes, non mais. Voilà, autant venir que je n'ai plus le souk.
Non, ça va trembler. J'en ai pas que derrière moi. Le problème, c'est ça, c'est que j'en ai un peu partout. Oh, je me suis commandé un nouveau sous-main sur Temu. Donc, je l'ai repéré, il était à 20 balles. Non, la semaine, j'ai mis dans mon panier. Un jour, peut-être qu'il baissera, qu'il sera autour de 10-12 euros. Et puis là, je réfléchirai, je le prendrai peut-être parce qu'il est trop trop chaud, mon panda. Et en fait, offre de la semaine, enfin offre de la journée hier, ils me le font en grosse promo à plus de 90%. 3,43 €. Un truc qui fait 40 par 90 cm. Donc c'est pas le petit modèle, hein. Bah vous doutez bien que je vais sauter dessus. Je vais en remettre d'autres des modèles qui iraient avec dans mon panier. Non, en fait, j'allais dire pour les filles, pour leur bureau qui est avec le mien, mon salon. Enfin, donc en gros, je vous ai dit, déjà j'ai un bureau qui fait 2 mètres de long dans le salon. On a pris une Kallax 8 cases, enfin 4, 12, 8 cases, ouais, 2 fois 4, qu'on a allongé, enfin qu'on a couché par terre, quoi. On a fixé deux plans de travail. D'un mètre par, ils font combien? 80? 60 ou 80? Non, ça doit être 80. Ouais, si, c'est ça, parce que Alouane, elle en a un ici aussi. Donc, 1 mètre par 80. Et donc, on a fixé tout ça ensemble. Donc, mon bureau, il fait 80 par 2 mètres. Pourquoi aussi long? Parce que, bon, déjà, à la base, c'était mon bureau ADP dans le salon. Et finalement, c'est devenu mon bureau du salon. J'y fais du DP, j'y fais du colo, on fait les devoirs dessus. Donc moi j'occupe la place centrale avec mon ballon. Parce que j'ai toujours mon gym ball, hein, ça change pas. À ma droite se situe Lilouen. Et à ma gauche se situe Alouena. Alors l'an prochain, ça va être encore différent parce que j'aurai toujours Alouena. Mais Lilouen travaillera sans doute beaucoup plus dans sa chambre. Et c'est Tachou qui viendra là faire ses devoirs. Enfin, tout le monde, Livonne pourra faire une partie seule. Et puis, Tachou en fera une partie avec moi. Enfin, fera ses devoirs avec moi. Et puis, en gros, elle aura une 10-20 minutes de devoirs. Ce sera que de la lecture, hein, en CP, en début de CP, voilà. Donc, on fera alternance. Parce que je ne peux pas rallonger mon bureau. Sinon, après, on ne passe plus sur les bords. Enfin, sur les bords. Il n'y a qu'un bord où on peut passer, mais à côté, il y a le bar. Donc, bon, on est quand même limité. De ce côté-là, on ne peut pas rallonger. Et de l'autre côté, j'ai quoi? J'ai 30 cm où je pourrais rallonger la table, mais 30 cm, plus, ça permettrait de caler une enfant de plus. Mais... Voilà, à un moment donné, ça reste un salon, il faut que ce soit raisonnable. Bon, après, je vais ranger mon bureau, parce que là... Bon, en fait, c'est en attente de rangement. Un peu trop en attente d'ailleurs. Puisque j'ai posé des toiles et trucs comme ça sur le banc de Lilouel. Oh, j'ai une toile aussi sur son bureau. J'ai mes nouveaux crayons qui sont sur le bureau d'Alouena. Faut que je leur réactive leur bureau en gros. Parce que Lilouel pourra venir faire. Mais je pense que Lilouel, elle travaillera peut-être mieux dans sa chambre. Avec toutes ses affaires de cours. C'est la sixième, elle s'arrive pas. Hein. Donc, bon, on verra ça, on va la laisser prendre de l'autonomie tout en restant aux aguets derrière, hein, parce que ben, c'est pas simple hein, quand même de rentrer en sixième. Mais ouais. Pourquoi je vous ai parlé de mon bureau dans le salon? Je sais même pas. De quoi c'est parti? Je ne sais plus. Et ouais. Je vais ranger un peu ici aussi. Bah, il y a une partie que je peux pas ranger tout de suite parce que j'attends mes rangements de chez Temu. J'ai commandé des rangements pour mes feutres acryliques de chez Shein. Donc, ce que j'ai pas pu ranger proprement dans le salon, pour le moment, les boîtes elles sont ici. Donc, bon, il y en a, c'est des doublons parce que forcément, ils vous en proposent plein pour pas cher. Donc, moi j'en ai pris plusieurs boîtes, enfin plusieurs.
J'ai pris des chez différents vendeurs et certaines boîtes sont identiques, tout ça, je vais me les mettre de côté, c'est pas un problème. Parce que du coup, bah, ça me fera une recharge. Ça, c'est pas grave, de toute façon, même si c'était grave, c'est moi qui ai cliqué sur payer, donc honte à moi, hein, que voulez-vous que je vous dise? Et voilà. Du coup, je vais ranger tout ça. Puis j'ai des trucs que j'ai pris à Action et à Nose à ranger. Ça fait un moment que ça traîne à l'entrée du bureau. Ah ou! Je viens de me planter l'aiguille dans le doigt. Hein. C'est un cri de violente douleur. Je vous entends, vous moquez de moi. Bon, c'est un cri de surprise surtout. Alors, ensuite, ben, je me dirigerai bien vers les triangles orange. Comme ça, et ben on va changer, on va faire un peu de rose pâle. C'est bien, c'est qu'on a différentes couleurs sur cette case. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je vous dis, on est où? Oh, mais ça fait 36 minutes de vidéo. On est pas mal. Mais voilà, j'ai des trucs à faire, à ranger. Je manque de temps pour tout. Mais je voudrais remettre tout ça d'équerre correct, propre. Ah, ça va être sympa le rayon de soleil. Alors, vous verriez le ciel, c'est couvert de gros nuages noirs et il y a un rayon de soleil qui vient juste taper plein milieu de la toile. Je trouve ça hyper sympa. Oh, visiblement, il va pas durer longtemps. Il a compris l'ironie de ma phrase de c'est sympa. Non, mais il fait moitié lourd encore surprendre. De toute façon, c'était ça. Alors. On a pu manger dehors samedi où on avait du monde, c'était trop chouette. On a fait barbecue, les filles se sont éclatées dehors. Elles étaient heureuses. Hein. Et comment ça s'appelle? Oh! Le soir, après qu'on ait eu tout rangé, on a rangé tout, on a eu dû avoir fini de remettre tout en place, de tout ranger, ramasser, tout ça. Vers 18h10-15, on est monté au bain, il s'est mis à pleuvoir. On était bon sur ce coup-là, hein? On a bien calculé notre coup. Et hier, du coup, il faisait beaucoup plus froid. Et comment ça s'appelle? Bon, on était invité. Au départ, je voulais qu'on mange dehors. Et puis finalement, bon, on n'a pas pu manger dehors. Nous a envoyé un message en disant non, mais c'est bon, on ne mangera pas dehors. Effectivement, il faisait beaucoup plus frais chez eux. Enfin, c'est une grosse demi-heure de route de chez nous. Hein. C'est pas non plus si loin que ça. Hein. Mais vraiment, la différence, il y avait beaucoup de vent. C'était vraiment pas le même temps que nous, on a eu. Hein. Et on est rentrés. Elles ont un peu joué dehors une petite demi-heure. Après, c'était l'heure du bain. Et pendant qu'on mangeait, eh ben, il s'est remis à pleuvoir. Donc aujourd'hui, je ne doute pas qu'il se mette à pleuvoir en fin d'après-midi. Comme tous les jours depuis 15 jours. Je vous raconte pas l'état de la forêt vierge dehors. J'ai du mal à pouvoir tomber. Il pleut tout le temps. Normalement, enfin, là, chérie m'a dit, t'embête pas. Je lui ai dit, je passerai peut-être un début de coup de tondeuse aujourd'hui. Il dit, t'embête pas. De toute façon, je reçois la deuxième batterie pour la tondeuse demain. Je dis, ah, ok, d'accord. Bon, bah, je vais attendre d'avoir la deuxième batterie, comme ça je pourrais faire toute la pelouse d'un seul coup. Donc, peut-être que mardi, je tondrai la pelouse, je sais pas. Mardi, oui, c'est ça, bien sûr. Mercredi, de toute façon, demain, bah, chérie. Donc, demain, on va voir ce qu'on fait, comment on s'organise, tout ça, tout ça. Ah bon, je suis contente, j'ai bien dormi cette nuit. Petit château maman était très fatiguée ce matin, elle n'a pas arrêté de pigner au feu, m'a dit chérie. Bah ouais, mais elle n'a pas fait de sieste hier, donc forcément, elle n'a que 3 ans, c'est encore un bébé qui fait dodo, hein.
Et puis maman elle était pas là en plus, donc de quoi perturber une petite fifille. Il n'en faut pas grand chose des fois pour perturber les petits enfants. Donc a priori il s'est bien amusé ce matin. Tiens, ben ça c'est pas mon problème, chérie. Chacun son tour. Je les ai eus comme ça, c'était quand jeudi qu'elle était chouineuse. Donc bon, voilà, elle fera sa journée, elle ira au dodo, tout ça, enfin voilà, c'est pas grave. C'est exceptionnel, hein, comme quoi elle a vraiment besoin de faire de la sieste, bah oui, de faire la sieste. Elle est encore petite, hein. Là. Après, je me demande si je fais le carré plein ou les triangles ou le carré plein orange. Parce que j'ai deux petits points ici, de toute façon. Donc, je ne sais point lequel faire en premier. Être la surprise. En même temps, je me dis que ces deux-là, je vais peut-être les garder pour les faire en même temps que cette case-là. Parce que j'en ai à suivre dans la case, ce serait plus logique. Hop, ça m'éviterait d'avoir... à couper mon fil, à mettre mon fil en attente ou quoi que ce soit, sachant que j'en ai déjà en bas en attente, donc je me dis que l'un dans l'autre, on va peut-être attendre pour les faire. Donc, je vais faire l'orange. Voilà. Tout à fait ce que j'avais prévu. Hein, on est d'accord. Ça, c'est un 14. Voilà, ça va être sympa. On est d'accord, hein, c'est bien un 14. Tac. Descends là. Ouais, ouais. Je ne m'abuse pas. Ce qui vient faire là, le 14, peut-être une boucle d'oreille, un truc comme ça, je sais pas. Écoutez, là aussi, c'est un 14, par exemple. Après, s'ils le disent, hein, moi, je les suis. Hé, mais je viens de réagir. Commence légèrement le visage, pas trop, hein. On a un petit côté visage, trop bien, plus tard. Ce que je te trouve bien, ça se trouve c'est sa boucle d'oreille, mais non, c'est dans le coin de l'œil. Ouais, elle est maquillée, c'est Cécile. Ce sont Cécile. Voilà, ce sera plus joli. Sinon, j'ai l'impression d'être plus une copine. Vas-y, je vais dire. Hop. Voilà. Oh, c'est chouette. J'adore. Faut que je passe ma commande, que je valide ma commande Fancy, je ferai tout à l'heure, je pense. Je vais commander ben, une toile pour faire un duo avec Mimi. Deux toiles en 14 comptes, parce que il y en a une. Enfin, en fait, je vais faire un test pour les deux. Puisque c'est deux vendeurs différents. Enfin, deux fournisseurs, pas vendeurs différents. Il y en a une toile en plus parce qu'elle me fait marrer. Et pareil, un lot de 5 toiles, enfin un ensemble de 5 toiles qui vont ensemble. Et puisque c'est un ensemble, Gwen, qui me plaise bien. Donc je vous montrerai ça. Je vais me faire plaisir. Bah, fou, hein. Et le tout à tarif... relativement raisonnable. Il n'y a que les deux grandes toiles qui vont être chères, c'est normal. Une qui est entre deux, donc un tout petit peu moins chère, mais bon, voilà.
Mais après, je vous montrerai de toute façon. Vous verrez. J'aime bien. Donc, faut que je passe ma commande. Après, je suis pas pressée en termes de délai qu'elle arrive. Si je suis pressée pour pouvoir commencer à te avec Mimi, on devrait pouvoir faire commencer au mois de juin, Mimi. Je te tiens au courant. Mais faut que j'aille de ma commande tout à l'heure. Parce que j'arrive pas. J'y pense pas. J'ai fait le comparatif, j'ai préparé une partie de la commande chez VIP. Et comme j'étais beaucoup plus chère, ben je vais la prendre chez Fancel. Ça dépend de ce que je veux en fait. Il y a des produits. Ben vous prenez le village des oursons, quand j'ai acheté, était moins cher chez VIP. Plus le code de réduction, ils me disent pour avoir 10%. Voilà, ça vaut le coup. Fencel, mon code Gwen ne fonctionne pas, par contre le code Mini ne fonctionne. Allez savoir pourquoi. Donc je profite. Comme ça, ça fait 5%, plus le cadeau offert. J'aime bien, moi. Donc ouais, faut que je valide ma commande. Un jour, je finirai par avoir en cadeau une toile que j'ai déjà. Pas grave, j'offrirai. Je connais quelques brodeuses, hein. T'écoutes bon, t'écoutes fatigue. Pourtant là, le café, je l'ai fini. Hein. Et puis c'est pas, c'est un grand mug de 200 ml qui me fait chier en café. C'est pas le petit café. Hein. Donc il y a de quoi. Mais j'irai bien faire une sieste. D'où l'intérêt de boire du café. Je vous jure, ça sert à rien. Hein. Mais d'accord. Mais c'est pas grave. Ouais, j'aimerais beaucoup pouvoir finir une toile sur le mois de juin. Enfin, ma toile thé d'oreiller en particulier. Je suis pas sûre d'en être capable. Au pire, elle sera finie en juillet, mais j'aurais bien voulu la finir en juin. Et du coup. En juillet, je vais essayer de me limiter en termes de nombre de toiles parce que je voudrais faire des grosses avancées sur mes toiles. Et il y a un moment où je serai avec mes parents, donc forcément, je vais énormément broder. Donc voilà. Là, il y a de quoi faire de l'avancée. Donc, il faut que je choisisse ce que je vais emmener. Je commence à y réfléchir déjà parce que mine de rien ça va venir vite. On va faire le point. Ouais mais non, mais si, mais non, mais non, mais si. Hein. Pas chante la fille. On va faire les carrés pleins parce qu'il y en a moins. Ou psychologiquement il y a l'impression qu'il y en a moins. Je sais pas, je m'en fous en fait. De toute façon je ferai tout. Donc là c'est du vert. Parce que sur les 15 jours, il va falloir que je fasse cette toile. Sur les 15 jours, je serai 3 semaines où je serai avec mes parents. Enfin, il y a une semaine où je suis pas vraiment avec eux. Donc, un peu compliqué, moi, les vacances. Ah ouais, quand est-ce que ça tombe, les dates? Ah, j'avais regardé, mais entre-temps, le planage, il a changé. Tac, ici elle va tomber le 9 et le 23/06, donc le 7 et le 21 juillet. Ouais, donc celle-là faut que je l'emmène. Et l'autre, 14 et 28 juillet, 30 juin, 14/28. L'autre, bah vous la connaissez, hein, c'est celle-là. C'est celle qui vient 15, et puis il y a 25 juillet aussi pour la case de la petite fille. On va y arriver. Ah, voilà. Hop, tac. Ça, ce trait là, il est fait. On va couper le fil. On va y faire ce trait là.
ce trait là. Le trait est un point plein et tout va bien. Ah, je suis en train de réfléchir, je vais me faire mon planning broderie pour le mois de juillet, comme ça je saurai ce que je vais emmener. Je vais emmener la cottage 1 parce que je l'ai pas assez avancée à mon goût et que je vais prendre le temps de l'avancer. Ensuite, qu'est-ce que je suis sûre d'emmener? Ma toile Mario que je fais avec Ancest Count. Parce que je sais que j'irai à la plage. Donc celle-là, je sais que je vais l'emmener. Parce que comme c'est une toile pré-imprimée qui ne s'estampe pas, ben, je m'en fous. Je m'en fous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. À la plage, c'est moins risqué. J'avais pris des pandas l'année dernière. Là, je prendrai ça. Parce que bon, je me baigne un petit peu, mais pas trop. Mais sinon, je fais très bien broderie sous le parasol. Moi. Je suis très... Je ne suis pas farniente, hein. Moi je bronze pas, je ne me mets pas du tout au soleil. Mais sous le parasol, j'aime bien, je suis relax. J'ai une bonne luminosité en plus pour le 16 compte, c'est parfait. Donc ouais, celle-là je l'emmène. J'emmène celle-ci. Que du coup j'enlèverai de son support par contre. Parce que sinon ça va être compliqué. Emmener la Mario, ouais, elle est pas sur support donc c'est plus facile. Et après, faut que je choisisse ce que je veux avant cette doute. Ben, j'aurai la petite fille ou j'aurai ma case à faire. Mais en fait, comme j'aurai pas grand chose à faire d'autre que broder, je peux vous dire que les cases elles vont ça va filer vite. Je vais voir déjà la semaine prochaine. Bon, la semaine prochaine, je bosse. Hein. Mais j'ai mes parents à la maison, donc je vais limiter le nombre de toiles que je vais sortir. Donc, je vais avancer. La semaine prochaine, c'est la petite fille et Mario. Donc, Mario, je sais qu'en 2 jours, c'est fait. Et la petite fille, ce sera en... sur les soirées, trucs comme ça. Parce que Mario, en général, j'évite de travailler le soir, vu que l'impression, elle est bof. Ouais, il me faut de la lumière. C'est pas normal, c'est que l'impression elle est vraiment pas terrible par moment. Il y a des cases, enfin des. Ouais, des cases, des zones, des symboles qu'on voit très bien et d'autres pas loin à côté qu'on voit pas. Donc, bon, nous verrons bien. Priori, j'ai resté prévu le 3 ou le 4 août. Le 11 août, je suis invitée. Oui, le mois d'août, ça va passer vite. J'ai déjà des trucs. Mon planning se remplit plus vite que de raison. Moi, je vous le dis. Hein. Ah là là, c'est compliqué ma vie. Hein. Franchement, cette toile, j'adore. Oh la vache, je viens de voir l'heure. Bah écoutez, les amis, on va devoir se quitter là. J'y arrive plus, je trouve pas mon trou. Voilà, c'est un signe, c'est qu'il faut que je reste en ligne. Non, j'ai pas le temps, malheureusement. Après, ça va faire trop long comme vidéo. Et c'est parce que, enfin, je veux pas vous gaver non plus. Hein. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous l'aurez jeudi, mardi ou jeudi, je pense. Si j'oublie pas de la mettre en ligne comme la dernière fois, parce que ça j'ai oublié, donc vous l'aurez demain. Pour moi. Mais voilà. C'est les choses qui arrivent avec... Quand on a trop de choses en tête, on en oublie forcément quelque part. C'est pas grave. On n'en voudrait pas. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis... Puis on parle de tout ça prochainement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.